Facebookien, Facebookienne, vous vouliez une chanson, un discours, je vous ai compris. When I get older, losing my hair, just 10 years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. Alors oui, c'est une nouvelle année qui se tourne une autre page, 54 ans. Et puis, je voulais partager avec vous, pour vous remercier de vos souhaits, de vos bons voeux. Et de fait, donc, je voulais partager avec vous une petite pensée sur le vieillissement. Le vieillissement, ce n'est pas catastrophique. Le vieillissement, c'est juste des passages dans la vie, des choses qui s'ajoutent les unes aux autres. Un peu comme dans les vieilles villes européennes, où quand vous pénétrez, vous arrivez par les banlieues récentes, modernes, et puis petit à petit, vous pénétrez au cœur ancien des cités, et là où se réveille toute la beauté, toute la richesse. Alors, c'est un petit peu ça la vie, en fait, quand vous avez 40, 50 et plus probablement. Eh bien, vous êtes le fruit de tout ça et vous êtes comme fait de couches superposées. Et en ce qui me concerne, eh bien, vous le savez, ceux qui me connaissent, j'ai toujours 15 ans, j'ai toujours 20 ans, j'ai toujours 25 ans quelque part, 30 ans. Et puis, bah, j'ai aussi mon âge. Alors, en fait, il ne faut jamais perdre de vue ça. Et il ne faut jamais non plus juger les gens sur leur âge. Il y a des personnes âgées qui sont extrêmement jeunes, vous le savez. Et puis, il y a aussi des jeunes qui sont extrêmement... pertinent et intelligent et capable de faire plein de choses et de révolutionner le monde, ce que je leur souhaite. Alors voilà, et pour conclure ce petit discours que je ne veux pas éterniser trop longtemps, je vous remercie de tous vos bons voeux, de toutes vos pensées en ce jour. Et ben voilà, je m'en vais au Portugal, qui est le pays des pastéis de nata, que voici, ces petits gâteaux délicieux, et je vais souffler ma 54e bougie en votre compagnie. Merci, à bientôt.